Les racailles d'extrême gauche l'ont encore montré cette semaine. Parmi toutes, l'ultra-gauche qui a bien compris que nous étions la seule droite, puisque c'est nous qu'elle cible. J'aimerais évoquer plus précisément le cas de la CGT. Ah, la CGT! Ah, le bilan de la CGT, rien que cette semaine, c'est du solide. On peut dire que les CGTistes ont eu des journées chargées. Ah, ils n'ont pas chômé. Ils ont participé aux violences contre ma dédicace à Brest. On a pu voir leur drapeau flotter. Ils ont soutenu le chaos organisé contre le train Lyon-Turin. Et puis, il y a 3 jours, un de leurs cadres a tenu des propos ouvertement antisémites contre moi à Limoges. Devant des dizaines de témoins, dont des policiers, cet homme fin et courtois a demandé si mon train était bien pour Auschwitz. Et pourtant, toute la gauche a fait front derrière lui. Et Madame Binet, et des députés LFI, et certains journalistes de gauche. Laissez-moi poser une question simple. La CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité? Imaginez une insulte antisémite venue d'un homme de droite. Qu'aurait dit la presse? Imaginez une seconde si un drapeau du RN ou de Reconquête avait flotté à une manifestation de partisans de Mélenchon, était physiquement agressé. Qu'aurait fait le gouvernement? Mais il aurait demandé immédiatement la dissolution de ces mouvements. Alors, pourquoi continue-t-on de protéger la CGT? La CGT ne nous a pas seulement désignés, nous, comme ennemis. La CGT est également devenue l'ennemi du peuple français, l'ennemi des travailleurs français, l'ennemi de la prospérité française. Car la CGT, après s'être lamentablement soumise au stalinisme pendant la guerre froide, a décidé désormais de se soumettre à l'islamo-gauchisme, de défendre les travailleurs sans papier, dont les premières victimes sont les travailleurs français, leurs salaires et leurs conditions de travail. Car la CGT porte très mal son nom, elle qui est censée être la Confédération générale du travail, ne représente plus les travailleurs et ne défend plus le travail depuis des décennies. En revanche, personne ne défend mieux que la direction de la CGT que la fainéantise, l'assistanat, le financement par l'État de la consommation des Français et surtout des étrangers.